Roho Mtakatifu ni kwetu leo. Roho Mtakatifu ni kwetu leo. Twende kuhubiri neno mahali pote. Twende tuhubiri neno mahali pote. Roho Mtakatifu ni kwetu leo. Roho Mtakatifu ni kwetu leo. Twende tuhubiri neno mahali pote. Twende tuhubiri neno mahali pote. Na ilipotimia siku ya Pentekoste, wanafunzi walikuwa wote pamoja. Wanafunzi walikuwa na roho moja. Walianza kunena kwa lugha nyingine, wakajazwa Roho Mtakatifu. Wakaanza kunena kwa lugha nyingine, kama Roho alivyowapa kusema, kama Roho alivyowapa kusema. Bonjour chers chrétiens et bonne fête, bon dimanche et surtout chez les chrétiens catholiques parce que moi je fais partie d'eux. Aujourd'hui nous célébrons la fête de la Pentecôte et l'Esprit Saint s'est renouvelé en nous. Et je fais partie d'eux aussi parce qu'aujourd'hui moi aussi j'ai encore été renouvelée. Je dis merci à Dieu parce que c'est lui qui a voulu que ça puisse se passer ainsi pendant que nous sommes aussi en vie. Ce qui m'a beaucoup touchée pour ce jour-ci est que les apôtres Jésus se sont exprimés à plusieurs langues, mais ils se sont bien écoutés. Alors pour moi aujourd'hui, je me suis dit, oh, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes comment? Même tu vois dans une église, tu vois que celui-ci est venu de telle part, il parle de telle langue, mais tu dis, il n'est pas de chez nous, il n'est pas de moi. Tu cherches celui qui parle ta langue. Ce n'est pas une bonne chose vraiment. C'est ce qui m'a vraiment touchée. C'est pourquoi j'ai pensé que si je transmets aussi ces messages, par la force du Saint-Esprit, ça va toucher quelqu'un qui peut-être est en train de discriminer les autres à cause de leur provenance, à cause de leur langue. Peut-être en Awaïma même, ma poste, en Awaïma ma fonction, parce qu'il y a eu Kouakouavo, des choses pareilles. Vous allez m'excuser beaucoup. Je transmets ce message pour la gloire de Dieu, parce que ça m'a beaucoup touchée. Nous devons aussi nous efforcer pour être un comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Entre Dieu et Jésus, il y a le Saint-Esprit. Or, quand Jésus est venu sur la terre, c'était par amour, pour venir nous sauver. Et quand il est rentré au ciel, il a dit, je ne peux pas vous laisser orphelins, je vais vous envoyer le Saint-Esprit consolateur. Le Saint-Esprit est venu à nous. Et ça veut dire que nous sommes déjà, nous qui avons déjà reçu le Saint-Esprit, par le baptême, la confirmation, l'effusion et même le pasteur. Vraiment, je me dis là déjà, nous sommes un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous ne devons pas, vraiment, nous n'avons même pas droit. Nous n'avons même pas droit à nous discriminer à cause de la provenance, à cause de la langue que l'autre parle. Tu refuses à l'autre d'épouser ta fille parce qu'elle n'a pas telle part. Tu refuses telle fille parce qu'elle n'a pas telle part. Tu refuses un garçon parce que des choses pareilles. Moi, je me dis, ça ne mérite pas chez nous les chrétiens. Nous devons donc nous efforcer tout la pendana parce que même quand vous allez constater quand on est bien unis, quand on s'aime bien, les choses marchent bien. Moi, je prends toujours l'exemple des apôtres de Jésus. Mitume wa Yesu walifungana kifungo kya mapendo kati yao. Sababu ya hii kazi yao ilitoa matunda ya mmoja. Wa Kristo sote tuige maisha ya wale wa mitume wa Yesu. Tuige maisha ya wale wa mitume wa Yesu. Kungana katika mambo yote, twaza matunda. Asa katika kazi ya Mungu, yatubidi umoja. Mais je me dis aussi, même si c'est le travail qui est là pour la gloire de Dieu,
même dans le travail de l'État, dans la société, nous devons toujours imiter les apôtres de Jésus-Christ. Donc, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus la discrimination pour chaque chrétien qui a déjà reçu le Saint-Esprit, parce que Rome Takatifu, il n'a pas. Vous comprenez, nous sommes des parents, mais nous avons toujours vraiment la volonté de faire toujours du bien, mais sans le Saint-Esprit à tous les actes. C'est pourquoi nous allons continuer à demander la force du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse nous donner ce courage d'aimer chaque personne telle qu'il est. Parce qu'avec l'amour, Dieu va nous bénir. Le plus important, c'est l'amour. Le plus important, c'est l'amour. Quand je l'ai dans mon cœur, j'ai prié pour le Seigneur. Le plus important, c'est l'amour. L'amour n'est pas irritable. Il n'est ni jaloux ni méchant. Mais l'amour est charitable. Il pardonne tous les temps. J'aimais ça bien misérable. J'en ai besoin si souvent. Car sans amour, je ne suis rien. Car le plus important, c'est l'amour. Le plus important, c'est l'amour. Le plus important, c'est l'amour. Quand je l'ai dans mon cœur, j'ai prié pour le Seigneur. Le plus important, c'est l'amour. Le plus important, c'est l'amour. Le plus important, c'est l'amour. Quand je l'ai dans mon cœur, je priais pour le Seigneur. C'est le plus important. C'est le plus important. Le plus important, c'est l'amour. Tout ce qui a parlé, le plus important, c'est l'amour. L'amour est charitable, l'amour n'est pas jaloux, l'amour n'est pas méchant. Il pardonne tous les temps. Mais sans la force du Saint-Esprit, c'est difficile de pardonner à ceux qui nous font du mal. Mais quand nous avons le Saint-Esprit, on laisse tomber tout vraiment, on laisse tout tomber vraiment. Et on se confie seulement à Dieu, on dit vraiment, Seigneur, c'est toi le vrai amour, c'est toi le vrai pardon. Donne-moi l'esprit de comprendre chaque personne telle qu'il est et de pardonner ceux qui me font du mal. Toi-même, tu vas te charger d'eux. Parce que qui s'assigne qui a Mungu. Amen. Si tu cherches, tu cherches la dunia, ou tu zambé, Yesu msalabani, mimshini. Aliyeshinda kifo kwa damu yake tumepata ushindi. Usilipishe kisasi ni kya Mungu, utazame Yesu msalabani. Usilipishe kisasi ni kya Mungu, utazame Yesu msalabani. Amen, alléluia. Amen. Amen, alléluia. Amen. Amen, alléluia. Amen. Yes, ouais. Bonsoir à tous. Merci.